Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, 18 octobre, c'est la première véritable étape australienne. Et oui, avec 60 km. Samedi, on a fait 13 km. Hier, 11 km pour sortir un petit peu de Sydney. Donc ce matin, on est parti à 7h, environ à 24 km au sud de Sydney. Et là, on longe la côte. Et on va dormir ce soir à quelques kilomètres de faire la côte en même temps. Ok, il y a un cimetière, je suis désolé, c'était pas prévu. À quelques kilomètres de la ville de Wollongong, qui est à 80 km au sud de Sydney. On va pas vraiment la toucher, on va dormir à mon avis, ouais, 10 km avant, 15 km avant. Et demain, départ, on va pas toucher la ville, on va prendre direction est, légèrement sud-sud-est, en direction de Canberra qui est à environ 210 km, donc à peu près 3 jours de course. Canberra, bien sûr, qui est la capitale de l'Australie, comme tout le monde le sait. Le temps a été magnifique aujourd'hui, on a traversé le Royal Garden. Hein. Le Royal Garden, c'est un des plus anciens parcs au monde. Je l'ai traversé sur 35 km, alors super végétation à l'ombre, extraordinaire, un peu vallonné quand même. Hein. Voilà. Et maintenant, on longe cette fabuleuse côte, encore pour quelques kilomètres. Et après, on va vraiment lâcher la mer et on ne la reverra pas avant Port Augusta, avant, à mon avis, 2000 kilomètres. Donc, on savoure un petit peu aujourd'hui. Et surtout que le temps est magnifique. Voilà, autrement, tout va bien. Bien sûr, on a laissé notre petit Thomas. Et oui, Thomas est resté à Sydney. Il prend son vol demain, direction Paris. Bien sûr, il reviendra nous rejoindre en Namibie. Et donc, aujourd'hui, l'équipage est pour... encore plus de 2 mois et demi, c'est juste ma Laurette, mon amoureuse Laurette, qui est avec moi juste pour faire l'équipage. Voilà, c'est un petit voyage de noces qu'on se paye en Australie. Voilà, sur ça, je vous dis à ciao ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous, et à bientôt. Dans la vidéo précédente, j'avais oublié de vous dire que bien sûr, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je vais vous parler de l'Australie, de son histoire, les mouches commencent à m'embêter, la mouche c'est un problème en Australie, de son histoire, du présent. Alors surtout, il va falloir relativiser tous mes propos, car je serai totalement subjectif, étant complètement, et d'ailleurs leur aussi, amoureux de ce pays. C'est la 11e fois qu'on vient, donc fatalement on va perdre toute objectivité dans nos commentaires, mais bon, il faudra relativiser un petit peu. Voilà, c'est pas grave, donc on va vous raconter un petit peu cette histoire de l'Australie, et pourquoi on l'aime tant d'ailleurs. Et on y revient aussi souvent. Voilà, sur ce, je vous dis à nouveau, à ciao ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous !